Alors effectivement, j'ai donné un titre sur lequel je vais revenir, je vais m'expliquer. Hein. La nouvelle chaire numérique des corps fantastiques, et en repréparant tout ça, je me suis dit qu'en fait, nouvelle chaire, c'est peut-être un petit peu extrême dans la mesure où je vais parler principalement de films qui s'échelonnent entre 1993 et 2007-2011. Donc on a déjà 4 ans de retard, ça fait beaucoup en matière de numérique. Donc après tout, je suis peut-être plus dans l'histoire que je ne le crois moi-même. Donc je vais commencer. Une manière possible de faire l'histoire des formes fantastiques dans la culture occidentale est de l'attacher à l'aventure des corps soumis à la rencontre d'une altérité radicale. Que cette altérité se manifeste sous l'espèce d'une pure extériorité, un monstre, un vampire, un mort-vivant, ou qu'elle apparaisse comme l'expression extériorisée d'une intimité devenue terrifiante, insoutenable et schizée. Le fantastique constitue donc un territoire imaginaire privilégié pour envisager une histoire corporelle des violences. Il constitue le lieu exemplaire d'une rêverie négative sur les altérités, les ailleurs effrayants et fantasmés de la chair. Et cela, pas seulement en raison de son imaginaire de la métamorphose, de la transformation ou de la mutation, mais aussi en raison de sa constante mise en crise des regards soumis à une expérience de la tension entre l'apparaître hyperbolique et le disparaître suggestif des formes. Apparaître, disparaître, ce sont les termes par lesquels Jean-Louis Letras définissait la question du fantastique au cinéma. Mais aussi pour deux autres raisons. D'abord l'obsession qui est la sienne des dispositifs optiques, des reflets, des doubles, mais aussi par sa constante confrontation aux discours et aux normes de la saisie positive et rationnelle des esprits et des corps. De là l'idée que le corps fantastique est également le moteur idéal d'une certaine histoire du cinéma. Tout d'abord en raison des représentations objectivées qu'il offre du corps. Abel Ferrara propose que l'on réalise tous les 10 ans, après l'original de Don Siegel en 56, la version de Kaufman en 78, la sienne propre en 93, une nouvelle adaptation de l'invasion des profanateurs de sépultures, afin de voir l'actualité de la conception du corps que se fait l'Amérique. En 2007, vous vous souvenez qu'une version avec Daniel Craig et Nicole Kidman était sortie, ça va presque faire 10 ans, il serait temps de s'y mettre. Mais cette histoire possible du cinéma, selon le prisme des corporéités, est également fructueuse, parce que nulle part mieux que sur les corps ne s'inscrit le dialogue ou le conflit du sujet humain et des technologies de visibilité par lesquelles il se présente, s'invente, désire ou s'effraie de son double, par lesquelles il rêve sa puissance ou s'affole de sa fragilité. La focale fantastique, c'est justement celle que choisit de prendre Antoine de Beck, par exemple, lorsqu'il ouvre le chapitre consacré au cinéma dans le tome 3 de l'histoire des corps, au moyen d'une réflexion sur l'idée d'une spectralité native, de l'image cinématographique. Le trajet qui propose de Beck s'achève sur l'analyse d'une corporéité contemporaine qu'il appelle néo-primitive et qui prend forme dans le traitement qu'en propose, selon lui, dans les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis les années 80, le cinéma fantastique et notamment américain. Le siècle passé du cinéma constitue bien, le 20e, constitue bien une histoire concrète des dispositifs technologiques de l'apparition et de la transformation du corps. Et partant, il offre une histoire visuelle des imaginaires du fantastique dans son action sur le corps et ses représentations. Des surimpressions premières pour faire apparaître l'homme aux mille visages dans le Fantomas de Louis Feuillade, à leur perfectionnement dans la version que Victor Fleming donne en 1941 de la fable victorienne de Jekyll et Hyde, de la spectaculaire transformation du lycanthrope que John Landis réalise en 1981 dans Le Loup-garou de Londres, à celle de Jekyll et Hyde proposée par Stephen Frears dans Mary Reilly en 1996. Or, il y a, entre ces deux dernières dates, c'est-à-dire 81, Landis, 96, Frears, une modification formelle de taille et qui m'intéresse particulièrement ici. Pour passer de l'homme au monstre, John Landis utilisait conjointement les effets du grimage, du masque, de la mécanique et du latex, confiant au montage le pouvoir de continuité du geste, d'ellipse et de mouvement par lequel se réalisait sous nos yeux la transformation. Mais alors que du corps de John Malkovich jouant Jekyll s'extrait sous la forme d'un fœtus ou d'un double homoncule la figure intérieure de Hyde, alors que la chair se distend, se déforme, s'anamorphose pour donner place à un autre, c'est en un plan continu, sans raccord, sans césure, que la transformation est désormais possible sous nos yeux. Il y a eu, sous nos yeux, par la perfection de l'artifice numérique, des effets spéciaux donc, ce que Charles Tesson appelle une transformation à vue. Grosse, je le cite, d'une idée de continuité, de durée insécable, voire de fantasme de plan-séquence au cœur de la transformation.
Si la transformation de John Landis cherche à produire cette continuité, le metteur en scène n'y parvient qu'au profit d'une illusion et d'une habileté formelle toujours tributaire du montage. En revanche, ce que réalise Frears et avant lui le film de Chuck Russell en 1984, The Mask, c'est l'insécabilité et la parfaite continuité du mouvement, du plan et du processus visuel de transformation. The Mask sollicitait le corps de l'acteur Jim Carrey, réputé à inscrire le plus directement son comique dans la déformation plastique et l'art de la mimique outrée. Il s'agissait en fait de réaliser jusqu'à son terme la logique figurative et le potentiel de déformation burlesque, cela grâce à la technologie numérique du morphing. Le morphing revient alors à actualiser dans l'effet mimétique de la durée et sans solution de continuité formelle ce que le corps comique a anticipé depuis longtemps dans les univers graphiques de Disney ou de Tex Avery. The Mask expose dès 1984 un devenir cartoon du corps humain, désormais technologiquement actualisable, et qui, dans sa pleine réalisation graphique, accède à la représentation d'un degré ontologique distinct. Le mélange des formats et des textures n'est bien sûr pas neuf, et Jane Kelly a déjà dansé avec Mickey depuis 1945 dans Escale à Hollywood de George Sidney. Mais dans ces formes mixtes anciennes où le corps argentique rencontre le corps dessiné, l'hétérogénéité est patente et le mélange visible des deux univers constitue précisément l'effet recherché. L'artifice numérique permet, lui, que quelle que soit la cohérence des univers fictionnels représentés et le scénario qui organise leur rencontre, la haute qualité mimétique de sa technologie tend vers un effet de lissage des distinctions de médias. Cette façon maximale que cette technologie rend visible la compossibilité des hétérogènes au profit d'un espace renouvelé dans le geste même de cette hybridation nouvelle. Par cette hybridation, il se produit un effet de naturalisation croissante des différences formelles du numérique et de l'argentique, là où, par exemple, l'image mixte de Mary Poppins en 1964 ou de la première adaptation du Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi en 1980 explorait le spectacle merveilleux ou inquiétant des images de nature différentes se confrontant, s'exposant, s'ajustant dans leurs différences formelles au sein du plan. Devenir graphique donc d'une texavérisation du corps, comme la nomme Charles Tesson, altération des surfaces, anamorphose néo-baroque, déformation des reflets, comme dans les miroirs des attractions foraines, extrême prospective des nouvelles technologies ou retour aux origines du spectacle, quel que soit l'imaginaire critique qui réponde à un tel événement visuel, quelque chose a bien doublement eu lieu autour de The Mask de Chuck Russell en 84. D'une part, je l'ai dit, la continuité sans césure de la transformation, ce qu'il appelle la transformation à vue. De l'autre, la manifestation d'une image impure, mixte, mêlée, faite de techniques anciennes et de technologies extrêmes, faite de l'empreinte du passé argentique du cinéma et des signes de son devenir numérique. Mais désormais, la perfection du lissage formel des images numériques rend invisible l'hétérogénéité au profit d'une nouvelle homogénéité portée à un point maximal d'efficacité du leurre visuel. C'est dans ce contexte que se pose alors la question de la chair numérique des corps fantastiques. Une question qui est aussi celle, plus généralement, de la chair numérique des images elles-mêmes. Comment comprendre la spécificité du numérique dans cette histoire des représentations du corps, dont il constitue pour l'instant le terme, avant que ne se réalise le fantasme de projections holographiques et d'immersion virtuelle totale? Une révolution ou une simple continuité? Un changement significatif de paradigme ou une pure évolution technologique sans authentique incidence sur la nature et les conditions du spectacle? Selon le philosophe Yves Michaud, je le cite, « L'art du XXe siècle nous montre du corps ce que les techniques de visualisation ont permis de voir les unes après les autres. » C'est dire que chaque technique offre une forme d'actualisation visuelle pour une saisie spécifique du corps, impossible avant elle ou partiellement ou différemment. Le signe qui est alors produit constitue l'empreinte et l'index patent du rapport de la technique employée et du référent qu'elle exprime, en l'occurrence un corps. Pour le sémioticien ou le théoricien de la fiction, la différence technologique ne présuppose pas une distinction ontologique de fond. Ou plutôt, à supposer qu'elle soit pertinente et que la distinction argentique-numérique soit à retenir sur le plan ontologique, elle ne défait pas pour autant les catégories et les fonctions du signe, de l'icône et du symbole. Pas plus, elle ne pose à nouveau frais les questions de la fictionnalité des univers. Jean-Marie Schaeffer ouvrait en 1999 son essai « Pourquoi la fiction ?» sur une analyse brillante de la fictionnalité en jeu dans le monde virtuel, numérique et vidéoludique de Lara Croft.
La Neo Matrix, véritable célébration du devenir numérique du cinéma, entend développer une fiction de la réversibilité absolue des univers vidéoludiques et de leur extériorité ruinée. David Cronenberg proposait une figuration de cette distinction perdue dans Existence, 1999, sans le moindre recours au numérique. En cet instant, Cronenberg réengageait l'expérience de la traversée des mondes sur la seule force du raccord-regard et de l'esthétique classique du champ contre champ. C'est lors de la scène où Ted Paikel rentre dans le jeu pour la première fois, alors qu'Alexandra Geller a raccordé le pod à son bioport. Le seul emploi du numérique dans Existence n'est que pour une grotesque petite créature dans la séquence de la station-service avec William Dafoe. Elle vient montrer, au cœur du classicisme formel de la mise en scène de Cronenberg, le piteux gadget numérique qu'elle constitue dans un cinéma qui ne le convoque que pour mieux le congédier. Ainsi, la donnée numérique, envisagée dans une perspective sémiotique et fictionnaliste, prolonge en les perfectionnant les représentations mimétiques développées dans les formes d'illusions photoréalistes et cinématographiques qui, historiquement, la précèdent. La donnée numérique traduit visuellement les productions de l'imaginaire contemporain en repoussant les limites de ce qui était concrètement possible sur le plan technologique en matière de restitution hyper réaliste d'un monde ou d'un type de personnage. C'est en ce sens que le numérique a rendu possible l'exploitation relativement récente sur les écrans de tout un corpus super-héroïque venu de l'univers des comics. Le monde des Marvel était jusqu'aux années 2000 relativement sous-employé au cinéma en raison de l'impossibilité des techniques de l'illusion à exprimer visuellement et de façon suffisamment efficace les pouvoirs extraordinaires des super-héros. De la même façon, le numérique autorise-t-il le gigantisme des univers de l'anticipation, du film historique ou mythologique, du space opéra ou de l'heroic fantasy tels que les expriment les tendances les plus spectaculaires du cinéma de divertissement contemporain. La situation est strictement analogue à la crise qu'a connue Hollywood dans les années 50, quand les technologies de la couleur et des formats servaient le pharaonisme en tentant ramener dans les salles le public immobilisé devant son petit écran. Le numérique est lui seul rend doublement possible ce néo-pharaonisme. D'une part, en se nourrissant d'une fiction des attractions mondaines, au sens où l'entend Alain Boilia dans, ses derniers ouvrages « Cinéma, machine à faire des mondes », c'est-à-dire un cinéma qui veut montrer, présenter, rendre visuellement consistant des mondes fictionnels spectaculaires au détriment de la donnée narrative et scénaristique, devenue, à strictement parler, secondaire. D'autre part, en fournissant des points de vue et des stimulations technologiques toujours plus inusitées et saisissantes. Ainsi, de ce regard panoramique, plongeant et mobile, ou de ces populations gigantesques et grouillantes de combattants, que l'on voit aussi bien en synchronie dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, 2002-2004, que dans Le 3 de Petersen, 2004, Le Alexandre de Oliver Stone, 2004, ou Le Kingdom of Heaven de Scott, 2005. Comment nommer la mobilité nouvelle conjuguée à l'absolu panoramique et à la vitesse successivement apte à passer du très grand ensemble au marquage de tels détails sans la moindre solution de continuité ? Quelle que soit l'irréalité de son spectacle, la donnée numérique du cinéma d'action contemporain tend à renouveler les formes imaginaires des corps fantastiques en renforçant l'impression de réalité consubstantiellement liée au photoréalisme. Tout au plus, les excèdent-elles, les affolent-elles, les hypertrophient-elles en un spectacle rendu plus saisissant dans la perfection de son leurre formel, porté à un point d'hyperréalisme qui entend impressionner ou bluffer son spectateur. Pourtant, si plus rien de la vieille surimpression ne rend sensible à l'œil du spectateur l'hétérogénéité des sources et des textures au sein d'une même image, si les transparences qui voyaient défiler devant elles les explorateurs du King Kong de 32 ont laissé place à la perfection numérique des incrustations, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas rare que voisinent désormais dans le même plan corps argentique et corps numérique, enregistrés et composés par des technologies que l'on a souvent voulu opposer dans la théorie du cinéma, selon les termes d'une image chaude, celle de l'impression numérique, argentique, pardon, et une autre, une image froide, issue de la dématérialisation numérique. Si les corps numériques ne partagent plus avec le corps argentique le même procédé d'enregistrement et de restitution, et partant pour certains cinéastes, certains théoriciens et certains spectateurs ne partagent plus le même imaginaire du cinéma, la même ontologie réaliste du cinéma, c'est la querelle Bellour-Gaudreau, par exemple, autour de ces questions, ce corps n'en finit pas, pour autant, avec l'analogie de la forme humaine. Car se voit bien toujours conservée la ressemblance du corps et du sujet qui se sont tenus, devant l'appareil, quand bien même ce n'était qu'au fin de sa plus grande déformation à venir. S'il y a une différence pertinente entre ces modalités technologiques de production des corps comme signes et représentations,
comment la penser, où la situer, à quelles conditions exactes l'image numérique peut-elle proposer l'hypothèse d'une nouvelle chair. Si, comme le souligne Jean-Jacques Courtine dans l'introduction du tome 3 de l'Histoire des corps, paru au Seuil en 2006, le XXe siècle se caractérise par une matérialisation radicale du corps dans nos sociétés et le régime de représentation qu'elles produisent, on peut dire que dans le cas des corps effrayants ou monstrueux dont le fantastique et l'horreur sont grands pourvoyeurs, ce mouvement s'opère au prix tout à la fois d'une symbolisation et d'un écart significatif. À mesure que les corps négatifs, réels, sont refoulés, que leur spectacle in presentia devient insupportable pour une sensibilité contemporaine, les corps grotesques, gothiques, effrayants migrent dans l'ordre des représentations et deviennent notamment sur les écrans du cinéma des corps signes, selon le terme de Courtine. Ceux-ci sont alors, ces corps signes, soumis à un mode de spectacularisation fondé sur la distance esthétique et se règlent, pour les conforter ou les transgresser, sur les conventions génériques et représentationnelles de leurs époques. Le corps mutant, malade, difforme, comme le montre Courtine dans le chapitre qu'il consacre au corps anormal, n'a pris forme sur les écrans qu'à proportion de son retrait dans l'expérience sociale concrète. L'altérité radicale qu'il impose entre dans un régime d'invisibilité relative qui n'a d'égal que le succès de sa mutation dans le domaine des représentations. À mesure que le corps matérialise, c'est-à-dire impose, la prégnance de sa question dans le monde social au XXe siècle, ses incarnations les plus douloureuses à supporter pour la vue se dématérialisent pour atteindre, dans l'ordre des représentations, leur pleine puissance symbolique. Il faut insister sur ce terme de « dématérialisation », car il est au cœur de la question que soulève l'imaginaire du numérique dans la pensée actuelle du corps et du cinéma. Cette dématérialisation focalise à elle seule la crainte si souvent manifestée de la disparition de la chair, de la désincarnation achevée du sujet humain dans un type d'image dont la nature technologique lui serait profondément étrangère, voire fatale. Avec l'image numérique, la pierre philosophale d'une alchimie photographique liée à l'impression de la lumière et à sa révélation lustrale et chimique a disparu. Le code digital règne et en fait de transsubstantiation, c'est désormais de transcodage et de traduction qu'il s'agit. Il est l'objet saisi dans le protocole numérique ne fait nulle impression, au sens propre, il est l'objet d'un calcul. Il subit non pas une révélation mais une dématérialisation codique qui le fait muter dans l'ordre des signes digitaux, le 1 et le 0, et le vous pour que ce retour ait lieu à une étape de rematérialisation produite par un logiciel. Il est donc facile, sur un plan imaginaire et symbolique, d'opposer au processus de matérialisation croissante des corporéités parfaitement exprimé par l'imaginaire alchimique de la révélation argentique, un nouvel état au tournant du XXIe siècle, je ne sais pas, 1980 à aujourd'hui, où désormais la dématérialisation numérique actualiserait un état tout à fait autre du corps. Un état qui rencontrerait alors dans sa technologie fondée sur la dématérialisation, la virtualité, la manipulation abstraite de l'information et du code, tant de points de résonance avec les grands paradigmes de la pensée postmoderne, ceux du simulacre et du virtuel, du vide et du clonage, de la pensée, de la désincarnation et de l'inauthentique, de la menace que font peser sur l'idéal ancien de la chair les opérations biotechnologiques comprises ici dans leur dimension visuelle. Mais une technologie suffit-elle à elle seule à produire une rupture aussi profonde dans les formes diachroniques de la mimésis ? Si la sémiotique oppose couramment les langages digitaux et analogiques, les uns procédant de codes arbitraires et les autres de signes ressemblant à l'objet qu'ils désignent, il est clair que la technologie numérique, si elle numérise et digitalise bien le référent filmé, ou qu'elle le produit à partir d'un code, pour le restituer par la suite, n'annule nullement la dimension analogique qu'elle présente. Le chien filmé argentiquement ou numériquement reste bien sur nos écrans un chien analogique. S'il ne l'était plus, parce que par exemple la fiction du chien des Baskerville l'exigerait, la différence de sa mutation en monstre grimé chez Terence Fisher ou en créature numérique si on se plaît à imaginer un avatar contemporain ne serait que celle d'une qualité et non d'une quantité ou d'une essence. En ce sens, si la distinction argentique-numérique est pertinente, celle numérique-analogique ne l'est pas, au-delà de la seule dénomination des techniques. C'est donc désormais littéralement dans l'image de cinéma que le corps numérisé de l'acteur est devenu image et se présente ouvertement en tant que tel. Quel que soit l'effet de naturalisation assuré par les forces conjointes de la technique et de la fiction, il y a bien un effet de double, de doubling, dans l'image, un autre récit a lieu
et ce récit tout à la fois se dérobe et s'expose sous nos yeux. Dans Jurassic Park 1993, l'image de Sam Neill, fasciné par les dinosaures, est bien celle d'un processus de naturalisation des hétérogènes. Un corps est fixé comme analogie stricte d'une référence, le corps de l'acteur. Un autre, le dinosaure, qui n'a d'existence que comme image, qui n'a pas d'autre origine que le geste et le calcul qui le produit et l'imaginaire qui l'informe. Tous deux sont bien dans la même image, mais tous deux ne relèvent pas de la même généalogie quant à leur manifestation iconique. Sans cet effort de naturalisation, la fiction ne tiendrait pas. Mais dans le même temps, la performance spectaculaire semble se désigner comme pur effet technique qui, de façon hyperbolique sous notre regard, est également là pour être admirée et partant être reconnue en tant que telle. La performance numérique entraîne un inévitable corollaire réflexif. Cette image peut alors apparaître comme monstrueuse ou grotesque en elle-même, si l'on y voit un corps composite, assemblé, hétérogène. Un corps qui, tout en produisant le rendu analogique et l'illusion de réalité nécessaire au succès de la fiction de cinéma, sa propriété immersive si vous préférez, laisse entrevoir la tension entre les règnes dont elle est alors la synthèse. Règne de la chair et de la machine, du corps et d'un état contemporain des technologies de l'image, toute image de cinéma où se manifeste l'empreinte numérique est à traiter comme une sorte de cyborg iconique. Ces images nous invitent bien plus à penser la continuité et la généralité des formes d'hybridation du corps et des technologies, médecine, robotique, guidage, clonage, médias, culture de masse, etc., qu'à voir dans l'image de cinéma le lieu d'une pratique spécifique et locale. Sur cette spectaculaire homothésie du type technologique d'image produit et du discours que tiennent les fictions technologiques du corps, c'est une analyse de ce corps paradigme du T-2000 dans Terminator 2 qu'il faudrait présenter de façon systématique. Ce corps de mercure liquide qui peut épouser et dupliquer tous les organismes, toutes les surfaces, toutes les formes, parce qu'il n'en a ou n'en est aucune. Un corps dont il est précisé dans le film qu'il est fait d'un poly-alliage mimétique. Sa puissance duplicative est acquise précisément par une autonomie totale par rapport à l'idéal corporel qui est, pour le T-2000, fonctionnalisable, à l'envi, selon l'exigence des situations qui gouvernent alors son absolu pouvoir d'adaptation et de duplication. En offrant à la fluidité autant de solidification temporaire, l'acmé, à l'époque en 1991, de l'effet numérique, s'inscrit dans le cadre d'une négociation imaginaire et généalogique complexe dont témoignent de nombreux films de cette période et qui s'organise autour d'une figure, du corps comme liquide, masse fondue ou corps s'évaporant. On peut évoquer en pleine synchronie les corps extraterrestres du Abyss de Cameron en 89, qui offrent une altérité polymorphe et aqueuse totalement affranchie des limites solides du monde humain, ou encore ces grands fourneaux de métal en fusion que constituent les linceuls des figures maternelles dans l'Alien 3 de Fincher, 92, et paternelles dans Terminator 2, 91. L'amorphe ou le fluide, la liquéfaction ou la liquidation. L'image numérique ou numérisée peut donc valoir comme une autre sorte d'image qui se remarque et se distingue d'un régime général ou commun d'image en ce que la performance du corps numérique y fait toujours d'une certaine manière tâche ou événement. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord parce que la convention générique de la fiction racontée l'y invite, c'est surtout dans des contextes de science-fiction, de comédie fantastique, d'excès gothique du thriller que la donnée numérique est si importante. Ensuite parce que plus qu'un résultat ou un état matérialisé, cette image est celle d'un processus matérialisant. Finalement, quelle que soit l'efficacité de ces réalisations sur le spectateur, les conventions non réalistes de ce type de fiction constituent une sorte d'univers autonome où se naturalise un devenir image du corps humain qui ne se confond pas avec le double photoréaliste que constitue toute image d'un corps. Ce qui se réalise sous nos yeux n'est pas seulement le terme auquel aboutit la transformation, mais bien le processus lui-même, le devenir en acte, non pas le changement à son terme, mais dans la continuité même de son effectuation. Le processus qui donne forme au devenir image est donc bien l'événement objectif de la chair numérique. C'est cela que donne à voir spectaculairement les moments de décomposition-recomposition que présente par exemple Paul Verhoeven dans Holoman en 2000. Son film est souvent envisagé comme un remake démarqué de L'homme invisible de Whale. On y voit des corps subir un processus appelé dans le film « réversion », dans lequel ceux-ci se dématérialisent, puis se rematérialisent, à vue, dans la continuité du plan. La reversion chez Verhoeven est un processus d'aller-retour de l'invisibilité, ou plutôt non.
de l'évidement. Hollow signifie creux et non invisible, et ne porte pas la métaphore de la disparition du visible, mais bien plutôt celle de la perte de consistance de l'intériorité au profit de l'enveloppe désormais imperceptible. Leurs manifestations visuelles, ces manifestations de reversion, conduisent en un point d'incandescence figurative à la question de ce que David Cronenberg appelait en 1980 dans Vidéodrome « la nouvelle chair ». On pouvait alors penser que cette nouvelle chair, « Welcome to the new flesh », entendait-on à la fin du film, appelait une réflexion sur la sexualité humaine telle que Cronenberg la prolongerait dans Crash. Mais ici, dans cette nouvelle chair numérique dont je parle, il semble qu'elle soit plutôt désormais focalisée sur les possibilités solipsistes d'une chair technologique. Médiatique, écranique, argentique, puis aujourd'hui numérique, cette chair se substitue à celle ancienne des humains et le corps a désormais pleinement incorporé sa dimension iconique. Depuis le début de son œuvre, Cronenberg poursuit avec une très grande constance une réflexion sur les rapports de l'humanité et de la technologie dont toute l'originalité est précisément de ne pas se tenir dans la déploration d'une condition perdue et dans l'opposition à une ère post-humaine de la machine. À longueur d'entretien, Cronenberg est revenu sur l'idée qu'on ne peut tenir la technologie pour une altérité radicale au sujet, l'agent d'une post-humanité autonome et conflictuelle. Selon Cronenberg, la technologie est profondément nôtre en ce qu'elle est l'émanation de l'esprit humain, de son intelligence comme de ses désirs. Elle en constitue le prolongement prothétique et offre aux sens et aux émotions des appendices multiples par lesquels explorer les conditions d'une néo-humanité dont les formes technologiques ne constituent pas alors des corps étrangers, mais des mutations concrètes. Le devenir numérique des corps dans la fiction cinématographique contemporaine apparaît comme une actualisation assez fidèle de l'analyse de Cronenberg. La condition numérique des corps dans ce type de cinéma offre une représentation convaincante d'une nouvelle chair dans la composition de laquelle la donnée iconique se donne pour centrale, voire première. Michel Chion soulignait dès 2000 la proximité particulière que confèrent aux choses la texture et la numilosité propres au signal numérique. C'est de ce corps concret que doivent repartir nos réactions d'horreur ou de félicité. Le sentiment que de telles fictions racontent notre dépossession ou notre assomption, une illusion délétère ou un rêve lumineux et finalement rédempteur. Comme une sorte de double numérique et postmoderne de l'installation holographique inventée par Verne dans le Château des Carpates, prolongée par Bioy Casares dans l'invention de Morel, ou encore comme Simone, la créature numérique, la star virtuelle, qui affolait dans le film éponyme d'Andrew Niccol en 2002 l'ordre des représentations hollywoodiennes pour atteindre jusqu'au sentiment et au désir même de son Pygmalion. Qu'elle demeure ressemblante d'une actualité du corps humain ou qu'elle invente des corps fantastiques dans la performance technologique de ses doubles numériques, la puissance d'analogie ressort renforcée et non amoindrie par leur nature outrancièrement imaginaire. Cela parce que le protocole de fabrication de telles images touche à l'imaginaire même du fantastique. Au lieu de servir celui spectral de l'apparaître photographique du premier cinéma, il s'agit dans l'imaginaire du procès numérique, de l'image et des formes qui en naissent, de toucher au mythe mécaniste de la vie fabriquée ou de l'argile formée, masse amorphe ou décousue, d'où est tiré un corps, tel la créature de Frankenstein, tel le golem de Mehring, tel l'Ève futur de Villiers-l'Isle-Adam. Ainsi, les mutations numériques des corps donnent à voir le paradoxe d'une analogie construite sur le spectacle d'une disparition-recomposition où la chair humaine se défait dans la série numérique des 1 et des 0. D'ailleurs, les performances de la mutation aiment à représenter matériellement à l'écran ces unités élémentaires du code de transformation sous l'espèce de poussière, de grains, d'éléments minuscules qui s'effondrent ou se recomposent, ou encore de veines, d'artères, de lignes de muscles, de chair en putréfaction et en recomposition. La pluie numérique de données qui ouvrait en 1999 l'écran de Matrix des frères Wachowski, à l'époque frère Wachowski, est la figuration de cette programmatique numérique de la nouvelle chair des images dont la transformation de l'homme au sable dans le Spider-Man 3 de Rémy constitue alors une variation. La séquence de réversion dont je parlais tout à l'heure tirée de Holoman ou celle de l'homme sable dans le film de Rémy de 2007 témoigne d'une même rêverie inquiète sur les hybridations, les contaminations et les recompositions qui tracent des horizons effrayants au corps humain tout en dessinant un lexique de pouvoir et de contre-pouvoir par lequel la corporéité affronte et réalise ses possibles fictionnels.
expérimentation sur le génome, obsession virale, spectre de la contamination bactérienne ou radioactive, cataclysme écologique, constituent les généalogies fantasmatiques ou réelles de ces images du corps dont l'hyperréalisme de l'objectivation numérique est à ce jour sans rival. Mais sur un corpus élargi, on verrait bien que la tonalité majeure demeure dysphorique. C'est une rêverie négative qui déploie alors ses formes, explorant des représentations angoissées de la fluidité des corps, de la pétrification et de la pulvérisation, exposant des recompositions réparatrices, de nouveaux amalgames, livrant le corps à des scénographies de dispersion ou de concrétion. Granules, sanies et poussières se répandent et s'envolent, parfois se solidifient à nouveau. Les chairs fondent, se tordent, les bouches béantes de l'effroi fantastique ne cessent d'anamorphoser la face humaine. Le numérique fait désormais pénétrer dans les chairs et les choses les surfaces qui anciennement étaient solides, et les résistances dermiques laissent passer le regard endoscopique, et l'on découvre des données intérieures chez les êtres, dans les choses, qui désorientent les polarités et les limites assignées au visible. Dans les films, on vit à travers et dans les murs et les conduits, on suit les fils et les courants, des points de vue d'une mobilité folle sont désormais accessibles. Ces images offrent des représentations sans cesse repoussées des possibilités du corps, ceux des sujets, selon des modes de démesure euphorique ou d'effondrement dysphorique. Elles nous présentent directement des objets redoutés ou des objets désirés. La question, par exemple, de la sexualité technologique et numérique rôde et incruste dans ces fictions des perspectives que leur troublante proximité rend tout autant inquiétante que possible. Demolition Man, Strange Days, Minority Report, robots femelles, esclaves sexuels extraterrestres, amants hologrammatiques, mais plus près de nous déjà, capteurs et vibreurs, prothèses et casques, simulateurs et stimulateurs. Il n'est donc pas si simple de conclure à la déshumanisation et à la perte de corporéité réelle face aux figures fictionnelles numériques et aux imaginaires technologiques qu'elles produisent. On peut bien sûr choisir de les penser dans le conflit, ce qui est peut-être finalement plus rassurant. Le conflit d'une intégrité menacée et d'une dévitalisation technologique de la chair et de ses images. Mais il n'en demeure pas moins que la perspective de Cronenberg nous confronte à un univers technologique profondément endogène et intime. Dans un tel régime d'images, les corps qui me mettent en présence de mes doubles figuratifs et fictionnels ne peuvent être simplement tenus pour des corps étrangers. La coprésence des techniques au sein d'une même image thématise le conflit fantastique des ontologies. Cet affrontement reste, depuis l'origine même de ce mode de la fiction au XVIIIe siècle, une de ses définitions possibles. La façon, le fantastique, comme façon dont deux qualités d'être sont représentées en concurrence au moyen d'une figure d'exception. Tout comme la mise en abîme est une figure qui objectivise la crise optique et perceptive par laquelle l'œuvre se voit interrogée, eh bien la chair numérique révèle le grotesque contemporain dont procèdent ces images. Il faut entendre ici par grotesque, bien évidemment, la chair composite mêlée conçue à l'interface des règnes et des catégories. Se manifeste alors comme la conséquence de l'hétérogénéité, ce que le critique, historien de l'art, Geoffrey Galt Arpem, définie comme une propriété essentielle de la forme grotesque, grotesque l'objet qui suspend la détermination pour créer un hiatus, un interstice, a gap, dit Arpem, par lequel s'expose une résistance de la figure et s'éprouve un défaut de qualification et d'expression. Si l'on a beaucoup souligné ici la perfection mimétique vers laquelle tendent les formes numériques, est-ce à dire que cet absolu du leurre est sans question, sans risque, sans double fond? Que le lycée de la surface ne comporte pas quelques failles, quelques gaps. N'en va-t-il pas de telles images comme de celles de l'hyperréalisme en peinture, dont les commentateurs situent souvent l'effet d'étrangeté de trouble dans une acuité hyperbolique et quasi inhumaine de la précision du regard. Cette faille grotesque de la représentation n'est pas une limite à de telles images, mais plutôt une question qu'elles font naître pour le regard. Je la vois par exemple quant à la relation cinétique, c'est-à-dire du mouvement, entre le personnage et son environnement, entre le corps et le décor. Dans les adaptations de Spider-Man par Sam Raimi 2002-2004-2007, on peut apprécier le ballet spectaculaire de l'araignée se balançant au-dessus de New York. Accrochée à son fil, elle projette sa toile d'un toit à l'autre à la recherche d'un point d'ancrage. Son corps passe de gratte-ciel en building et semble filer dans les airs, plus qu'il n'y flotte vraiment. Sa vitesse, de l'adolescent Peter Parker, se grisant de son énergie nouvellement découverte, trace des lignes qui zèbrent l'écran et bouscule le cadre.
Il se produit alors une étrange sensation cinématographique qui vient interroger le rapport cinétique du corps et du fond qu'il parcourt jusqu'à affecter même la possibilité de leur coïncidence. C'est qu'à bien examiner les trajectoires de l'araignée et les effets pendulaires qu'elles produisent, on se rend compte que le cadrage ne suit qu'avec peine le corps du héros et qu'il a bien du mal à le maintenir dans l'image. Ce corps, toujours sur le point de devancer sa propre image et semblant y échapper, ne permet plus alors que soit identifiable un fond urbain nettement porteur d'une valeur de représentation. New York, à mesure qu'il s'indifférencie, montre la dématérialisation, de fait la numérisation, dont il est l'objet. L'échelle qui fixe le rapport du corps et de l'espace qu'il habite disparaît, alors que le ciel et le fond des immeubles, l'asphalte et les façades, s'enchaînent sans solution de continuité, mais surtout dans une expérience numérique et visuelle que l'on pouvait dire il y a une quinzaine d'années, nouvelle. Tout se passe comme si le point de vue était embarqué sur un balancier. Allant du premier plan au fond du champ, le corps s'enfonce toujours plus avant dans la profondeur et le montage numérique peut alors produire une parfaite illusion de continuité en enchaînant sans la césure du raccord une poussée dans l'axe toujours plus profond. Raccord dans l'axe qui n'en est précisément plus un. Dès lors que l'idéal numérique est bien d'en finir avec cela même qui semble limiter l'autonomie de la figure dans son mouvement, le raccord, le cadrage et le montage, passage de l'un à l'autre. Vous comprenez pourquoi, pour certains, on a quitté la question du cinéma. Le cinéma fantastique, numérique, offre à notre regard tout à la fois des images et des corps de synthèse, des images et des corps grotesques, des devenirs graphiques et des signes technologiques, des outils d'illusion mimétique et des surfaces réflexives. Contre l'idée d'une désincarnation technologique dont ces images menaceraient les corps et la fiction, on a préféré envisager ici l'intérêt que présentait leur dynamique figurative, ainsi que celui qu'offraient les contradictions diverses qui fondent leur généalogie. De telles images sont finalement en elles-mêmes l'expression la plus juste de la condition super-héroïque qu'elles permettent très souvent d'incarner à l'écran. Tout comme Spider-Man ou Batman, plus la performance de leur qualité les singularise et plus la contradiction douloureuse de leur rapport à la communauté des corps et des images est vive, chez ces deux personnages par exemple. C'est ce battement, cette faille, ces jeux de tension et d'interstices qui font des images comme des corps numériques le théâtre d'une authentique expérience du regard, une scène pour que se joue dans les fictions de la culture de masse un dialogue visuel intense entre les possibles de la machine et les figures du corps. Mais un tel dialogue repose sur des failles, repose sur des béances que la performance des images numériques révèle au cœur des conventions formelles du grand divertissement contemporain. La première relève de ce que l'on peut appeler la béance animale. La seconde, de ce qui serait de l'ordre d'une béance topographique et perspective. Il est possible de décrire, comme le terme de devenir y invite, la tension du corps humain et de son double numérique dans les termes deleuziens d'un conflit de territoire, d'un processus dynamique de déterritorialisation. Non pas donc d'un territoire nouvellement trouvé et investi, mais bien d'une tension vers un terme tiers, littéralement inachevé, ce qui est un territoire au sens deleuzien. Les scénarios de ces fictions, mais aussi leurs modalités de production des images, se résument souvent à mettre en présence deux territoires dont la frontière et le contact problématique constituent toute l'entreprise du récit. Celui d'idée de l'humain comme corporéité souveraine d'un côté, de l'autre, celui symétrique et terrifiant de la machine comme non-corps, une sorte d'altérité sans autre et pourtant menaçante, antithèse radicale et tenue pour absolument hétérogène au corps humain. Or, depuis Frankenstein, 1818, on sait la part de mécanique rationnelle qui peut contrarier le projet humain et l'on sait aussi la flamme d'humanité qui peut éclairer tout monstre. Si la porosité de ces catégories invite sur le plan du discours au dialogue fictionnel entre ces tendances, alors à quelle figure confier son expression? Comment les dire littéralement dans l'ordre des représentations? Chez Deleuze, c'est là que se pose souvent la question du devenir animal, envisagé comme tant de la possibilité, de l'inassigné, de ce qui échappe à toute entreprise ou fixation. Or, l'extraordinaire que permettent d'exposer les formes numériques du corps est une figure de la possibilité. Les chairs numériques expriment en ce sens une part non négligeable de ce devenir animal, et notamment dans le domaine des fictions super-héroïques, qui en constituent tout autant des thématisations simples que des figures visuelles. La mutation qui affecte les personnages vaut comme devenir animal. Les corps voient leur force atteindre une accélération et une potentialisation inconnues et vivent cette révélation comme une nouvelle identité. Un devenir animal car toujours en exploration et en délicatesse avec l'origine humaine dont peine à s'extirper totalement le personnage.
Ces pouvoirs nouveaux, alors qu'ils hyperbolisent l'atavisme animal, ont également comme effet de stigmatiser la médiocrité et l'obsolescence des corporités humaines. Après le régime graphique des comics, où s'est à l'origine constitué cet imaginaire, l'image numérique, plus que le cinéma ou le film, l'image numérique est le média de ce devenir. L'animalité n'est plus ce territoire infra-humain que lui réservait le positivisme ou le progressisme des temps anciens, mais ce devenir constitue tout au contraire le terreau imaginaire d'une pleine réalisation des corps, très au-delà des limites attachées au corps humain. L'animal numérique, qui est tout sauf un oxymore, avec son instinct, sa force, sa vitesse naturelle, en devient l'emblème absolu. Cette négociation imaginaire où s'apparie la mutation technologique et la puissance originaire de l'animal se voit alors ouvertement thématisée par les biographies et les devenirs mutants de bien des super-héros, Batman, Catwoman, le Wolverine des X-Men et bien sûr Spider-Man. Le mouvement du corps animal sous l'espèce mutante de son avatar super-héroïque parcourt un territoire qu'il découpe. Ses trajectoires élisent des périmètres mobiles. Il fait exister visuellement des espaces, des volumes. Le corps cinématographique retrouve alors son origine graphique qui se réalise dans la dimension cinétique attachée à ses possibilités nouvelles de mouvement. Comment la question du mouvement se pose-t-elle pour ce corps dans un espace potentiellement extensible et numériquement homothétique de sa performance? Dans le rapport du corps et du décor se joue la question du néo-territoire de l'animal numérique, ouvrant alors en creux à celle d'un néo-cinéma. Toute l'histoire du cinéma a été pensée et décrite dans ses continuités, comme dans ses ruptures significatives, comme un art de la fragmentation, de la découpe, de la structure des hétérogènes, des plans entre eux. Or, c'est bien cela que peut désormais achever la matière numérique de l'image. La continuité du plan séquence, à l'échelle d'un film, y compris avec les modifications les plus complexes du cadre, devient pleinement envisageable sur le plan technique. Qu'elle l'effectue ou non dans les films, c'est-à-dire qu'elle renonce ou non au jeu du montage et de la partition des espaces, importe finalement peu. Qu'elle en ait la potentialité, suffit à dire qu'une configuration nouvelle se dessine sous nos yeux et exprime tout autant qu'elle sollicite notre imaginaire du corps et du rapport qu'il entretient avec son environnement. Devenir graphique, devenir trait du personnage, l'assomption héroïque d'une animalité mutée ou réalisée en figure, conduit à un dialogue visuel avec d'autres figures plus qu'avec d'autres humains ou d'autres sujets. Ce devenir graphique est en gestation dans toutes les étapes précédentes où l'artifice de l'effet spécial réunit dans la même image le corps argentique avec le monde graphique, par exemple du dessin animé. Mais il arrive dans notre culture visuelle contemporaine, dans la conjonction des images numériques et de la fiction du comics, à une forme de généralité visuelle qui contribue à actualiser ce devenir sur les écrans. Ce qui se perd, ou ce qui se gagne selon le point de vue, c'est la manifestation sensible de l'hétérogénéité des mondes, des ontologies et des formes au profit d'un grand continuum visuel que propose aujourd'hui la perfection du leurre numérique. Je vous remercie.